Leslie Fossier, responsable marketing de la marque de soins capillaires Activilon. Alors pour cet hiver, vous lancez deux produits. Tout d'abord, une brume de soins express, c'est ultra pratique. Hein. Et puis, vous sortez aussi 10 huiles 100% pures au format de 75 ml, presque de poche, aux ingrédients phares pour le soin des cheveux et que l'on peut aussi appliquer sur le visage. Je ne sais pas si tu appliques sur le visage. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc c'est la première fois qu'on fait ça chez Activilon. Ouais. Parce que justement, c'est des extraits naturels, en fait, les plus connus, ceux les plus utilisés, qui ont les meilleurs bénéfices. Mmh. Et donc, pourquoi pour la peau aussi? Parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout modifiés, pas dilués, pas coupés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'huile de tournesol pour avoir plus en quantité. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est des petits flacons de 75 ml, puisque c'est vraiment du concentré. Mmh. Ce qui est intéressant avec les huiles, les extraits naturels, c'est que vous pouvez, déjà, c'est économique, parce que vous pouvez faire vos soins hydratants avec, vous pouvez les mélanger avec de l'eau tous les jours, vous pouvez faire vos bains d'huile avec, les mélanger entre elles, vous pouvez faire des coiffants et par exemple la glycérine, on peut l'ajouter aux soins pour retenir l'hydratation. Exactement. Vous avez par exemple le macadamia pour les personnes qui souhaitent apporter de la brillance aux cheveux. Vous avez le ricin, castor oil pour favoriser la pousse du cheveu. L'avocat donc pour fortifier le cheveu, le nourrir. Et vous avez aussi du coup pour la peau, mais par exemple l'avocat, ça réduit les cernes. C'est par exemple quand vous avez la peau très sèche en hiver qui a subi le calcaire, etc., vous mettez de l'avocat le soir, un soir sur deux. Et par exemple le jojoba pour les personnes qui se maquillent et qu'on la peau grasse, mais le jojoba régule le sébum. Donc vous pouvez l'appliquer avant sur la peau directement, le visage. Vous avez les mollets qui sont très secs, vous mettez du coco, surtout en hiver, les pieds secs aussi. C'est ça. Coco karité. Coco karité, c'est top pour la peau, parce que du coup c'est un petit peu plus crémeux, surtout que ça se fige. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts, tous et les besoins, aussi pour tous les budgets, puisque le prix, ça commence à partir de 3,50€. Exactement, On précise les 10 huiles, donc coco, macadamia, avocat, ricin, olive, glycérine, amande douce, argan, jojoba, karité. Ça va, il y a le choix là. Ça, les basiques, hein. C'est ça. Pour le moment. Ah, il y a encore d'autres à venir. Bah oui, il y en a. Ah, on va ajouter des petites. On peut les acheter en individuel et puis continuer en lot. Ouais, donc vous pouvez acheter le lot de 10 extraits donc sur notre site. Tu utilises l'huile cannelle? Ouais, c'est clair. Basique. C'est ça. Ouais, c'est Regardez l'avocat. Surtout. Jojoba, avocat, c'est génial. Ouais, c'est vrai que c'est deux actifs. J'adore. C'est ça que j'utilise le plus. C'est super d'avoir fait ce kit. Ouais, très pratique. C'est vraiment pour permettre aux femmes, par exemple, d'avoir, quand même si elles achètent leur crème déjà toute faite, etc., si elles ont envie de vraiment de faire leurs soins personnalisés ou alors par exemple de sceller l'hydratation, au moins elles peuvent piocher dans les huiles et même pour le visage. Ouais, c'est clair. Des soins pour prévenir et remédier à différents problèmes capillaires en hiver, tels que cheveux secs, casse, cheveux ternes, cheveux plats à cause des bonnets, etc. etc., etc. Donc la nouvelle gamme qui est sortie en mars, donc il y a 10 produits, donc elle s'appelle Active Force, elle est à base de carapate et de sapote. Donc en fait, on a voulu vraiment faire un retour aux sources, parce que pour la petite histoire, Activilon, ça appartient aussi au groupe MAI, donc Nissanti International, c'est sa sœur, du coup créée par Madame Yannick Chef, et la première gamme qu'elle a lancée, c'était à base de carapate. Du coup, on a voulu faire un clin d'œil, puisqu'on va bientôt fêter nos 35 ans d'existence. 35 ans. Et du coup, on a fait un retour aux sources avec les actifs ancestraux des femmes afro, carapate et sapote, et du coup, vous avez 10 produits. Donc ils sont enrichis en protéines végétales, donc ça c'est top pour l'hiver. Il y a du shampoing. Donc vous avez un shampoing, vous avez le bain d'huile qui est déjà tout fait, vous avez un masque dans un format généreux qui est enrichi en protéines. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça c'est un beurre capillaire. Donc c'est un mélange de karité, de coco et de carapate. Donc pareil, vous pouvez l'appliquer sur le corps puisqu'il a 98% d'origine naturelle. Donc, c'est ce que j'allais dire. Où est l'odeur carapate qui nous fait fuir? Justement, c'est pour ça que carapace, on a rajouté du parfum. Tu mettais le soir. Tu peux sentir. Et puis c'était bien. C'est visqueux en plus. C'est super épais, tu peux sentir l'odeur. Ah waouh. C'est assez épais et du coup, on essaie de faire une odeur assez féminine quand même, mais pas trop entêtante non plus. Du coup, vous avez aussi le co-wash. Donc ça, c'est pour espacer les shampoings. Donc c'est à faire après le sport, c'est à faire entre deux shampoings. Donc ça aussi c'est une bonne solution quand on est pressé, quand on part en vacances. Il y a la crème soufflée, donc c'est pour définir les boucles. Vous avez le leave-in, donc vous appliquez au quotidien, donc toujours à 98% d'origine naturelle, donc à l'instar d'une crème de jour, vous l'appliquez sur les cheveux. Après ça dépend de la porosité du cheveu, de la sécheresse du cheveu, donc en moyenne tous les deux jours. Et vous avez de l'huile de carapate pure, c'est-à-dire que vous voulez sentir du carapate. C'est vrai, ils en ont mis quand même pour les. Là, c'est 100% pur, justement, pour les clients qui. Ça va encore, hein. Parce que j'ai connu pire.
C'est la pure pure. Hein, ouais. Pas... J'ai connu pire. Ah bah, ça, elle passe mieux, largement mieux que Carapate. Carapate, hein, mon Dieu. Donc vous avez une pure. Et la dernière nouveauté qui n'est pas encore en vente, c'est l'huile scellante. Mmh. Donc elle est à 98% d'origine naturelle. Et en fait, c'est pour sceller l'hydratation au quotidien, pour maintenir l'hydratation du cheveu, parce que beaucoup de femmes galèrent pour retenir cette hydratation. Ouais, donc elles mettent des soins et au final, à la fin de la journée, c'est ça, là, c'est comme si j'avais rien mis. Donc il y a l'huile scellante, on appelle l'excellente, qui va du coup sceller l'hydratation durablement, sans alourdir le cheveu, sans le graisser. Ouais. C'est vraiment appliqué sur les longueurs et pointes. Donc après vous pouvez l'utiliser aussi si vous tressez, vous pouvez l'utiliser aussi pour les locks, pour tourner les locks. C'est vraiment un mélange d'huile d'huile pure en fait. Donc là on a beaucoup de produits dont on applique sur le cheveu. Est-ce que tu as un soin qu'on peut appliquer par exemple sur le cuir chevelu pour masser ce genre de choses? Pour le cuir chevelu on peut appliquer l'huile de carapate pure. C'est la version petite comme on a parlé c'est des ça, produits. C'est ça. Donc il y a l'huile de carapate pure. Après il y a aussi du coup le bain d'huile que vous pouvez appliquer en massage en faisant bien bouger le cuir chevelu pour activer la circulation sanguine et du coup favoriser la pousse. Et après il y a le masque fortifiant si vous avez les cheveux vraiment abîmés, vous avez fait une couleur, vous avez fait des lissages à répétition, des tresses, vous avez peut-être trop tiré, etc. Et vos cheveux sont fatigués, vraiment c'est un coup de boost, il fortifie le cheveu. Et puis aussi pour l'hiver, parce qu'en fait avec le froid, les vêtements ils frottent sur sur le manteau, et puis même le froid, la température fait que le cheveu il prend, prend beaucoup. Pour les cheveux plats, les bonnets, c'est tout ça. Oui, c'est ça. Donc là il y a le masque fortifiant, et donc on peut l'appliquer des racines aux pointes, et pareil en massage. Et le meilleur combo, c'est de faire son bain d'huile, de laisser poser minimum une heure vraiment pour que ça agisse. Après d'appliquer son masque, pareil, minimum 30 minutes. Et du coup après rincer, puis appliquer le leave-in et puis le beurre pour sceller l'hydratation des pointes, ou l'huile scellante en fonction des besoins.